Bonjour, je m'appelle Louafé Belgassem et je suis la fondatrice de Culture Funding Watch, CFW, qui est une structure basée en Tunisie et qui se spécialise dans l'appui aux accès aux ressources de la formation. Nous sommes la plus grande plateforme sur le continent africain et dans la région MENA qui concentre, partage et explique les opportunités de financement dans les industries culturelles et créatives. Le programme de la formation s'est étalé sur 5 jours et qui visait à munir les participants des compétences nécessaires pour être capables de pérenniser leur structure ou leur entreprise ou leur activité créative. Donc elle était sur les deux. La première journée, elle était consacrée à la compréhension des concepts et des définitions. La journée 2 ou 3, elle était consacrée à la conception et le design du projet, donc en utilisant des outils tels que le cadre logique, tels que les mappings, etc. Et les 2 derniers jours étaient consacrés au développement de projet et à la stratégie de mobilisation de ressources. Mieux comprendre les enjeux de mon initiative. Si je parle d'enjeux, oui, il y a des enjeux financiers, mais l'écosystème dans lequel je veux évoluer, mieux comprendre les bailleurs à qui je m'adresse et comment m'adresser à eux plus précisément pour pouvoir mener ce projet à bout. Alors, la formation était super intéressante. Elle a, je pense, largement répondu à nos questions, à nos interrogations. Elle a aussi ouvert différentes perspectives, en particulier la connaissance de plateformes comme Culture Funding Watch et la base de données en ligne qu'on ne connaissait pas et qui fait vraiment un listing des opportunités de financement pour des structures comme la nôtre. Bon, les défis sont énormes parce que on voudrait à un moment pouvoir augmenter la capacité de production que nous avons ici au Sénégal parce que la demande elle est là, la demande est forte. Donc on a aujourd'hui de gros défis en termes de mobilisation de ressources parce qu'il faut à un moment élargir, diversifier, augmenter la palette de produits. Et ça se fera qu'avec de plus grosses ressources financières. Et donc aujourd'hui, le défi, il est là et il faudra travailler pour atteindre ces objectifs-là. Et ça ne se fera qu'à travers une bonne mobilisation de ressources. Alors, je pense que c'est le défi de tout le monde. Toute structure qui grandit a besoin de beaucoup plus de ressources car met en place beaucoup plus de programmes, beaucoup plus d'activités. Et donc, à chaque fois, c'est besoin en ressources, que ce soit aussi bien financier, matériel qu'humain, augmente. Et donc, on a beaucoup de défis qui nous attendent par rapport aux différents projets, programmes et surtout des programmes très, très ambitieux qu'on veut mettre en place à partir de 2022. Donc, il y a beaucoup, énormément de défis qui nous attendent. Dakar a enfin son salon musical, son salon professionnel musical qui est un mélange de festivals et d'ateliers pédagogiques, de showcase, de conférences, de débats, tout ça pour discuter des thèmes qui affectent l'industrie musicale, surtout par rapport au continent africain. C'est hyper important parce qu'on dit toujours les ressources, c'est le nerf de la guerre. Et il faut être outillé. C'est un métier, il y a une méthodologie, il y a une approche et on n'est jamais assez outillé. On peut toujours apprendre, on apprend chaque jour. Et on a eu l'occasion ces 5 derniers jours d'avoir une très grande spécialiste de la mobilisation de ressources et de levée de fonds avec un groupe très dynamique et je pense que tout le monde est unanime là-dessus que ça a été 5 jours extraordinaires, riches en expériences. Riche en leçons et je pense que tout le monde est sorti un peu mieux outillé, un peu mieux fixé sur comment on s'y prend, comment on doit s'y prendre avec des outils très clairs, avec une méthodologie très claire par rapport à la mobilisation de ressources et la levée de fonds.